Comme ça, moi. Online. 5 balles. Je vais voir si je veux. Ah, le problème, c'est que c'est online. J'ai pas le online. Réfléchis. Ah, t'as pas de l'online sur PS4? Non, mais j'ai arrêté de le prendre. Ça coûtait trop cher. Il coûte cher sur PS4, carrément. Ouais, ouais, je te le dis. PS4? Il est sympa. Oh, celui-là il est cool. Ouais, celui-là. J'aime bien celui-là. Moi. Ouais, il est sympa. Ouais. Ah, Worms. Je sais pas ce qu'il vaut sur. Tous les Worms qui sont bien. C'est pas un Pikachu, c'est marrant. Il y avait un Yoshi qu'il a pas vu. Il a pas son tag, je te le laisse si tu veux. Un petit éboli de McDo. Bonjour. Ouais. Ouais. 2,50. De quoi? Qui? C'est moi. C'est ta mère. Pokémon. Oh, putain. T'es à l'aise en vidéo, hein, mais pour faire les intros, hein. Non. Salut à tous, c'est Sandar. Vas-y. On se retrouve aujourd'hui, le 23 octobre 2016. Louis la brocante des pouces rouges. Ça va, j'ai bien dit ou pas? Je suis génial, putain. Aujourd'hui, on a fait deux vide-greniers. C'était vachement bien. Aujourd'hui, on est 4 pour 4 fois plus de plaisir. On va pas payer pour, moi. Ah, il faut qu'il arrête avec son argent, lui, hein. Je pense qu'à ça, c'est un juif. Toi, t'as trouvé des trucs, en plus d'habitude, tu dis que tu trouves jamais rien. Ouais. T'as trouvé des trucs bien. Toi, t'as trouvé des trucs aussi. Et toi, t'as rien trouvé. Si, t'as trouvé des trucs aussi. Bah ouais, bah ouais. On a trop s'ouvrir des trucs. Génial. On a trouvé un peu de trou. Un peu de trou. Un peu de vrai, ma gueule. Un peu de vrai. Que veux-tu montrer en premier? Les cartes. C'est dans le cul. Toujours. Toujours dans le cul, t'as toujours un truc dans le cul de toute façon. Un paquet de cartes, tout acheté sur le même stand à 20 centimes unité. Donc on commence avec un petit voli du deck Nymphalie. Voilà, je l'avais pris parce que l'illustration elle est juste trop chou. Après, trop chou, Trop kawaii. Ouais, c'est trop kawaii. Après, plein de reverse, vous allez voir, une reverse. Là, c'est encore du deck Nymphalie, c'est pour ça que j'ai pris. Une reverse de étincelle. Là, c'est les prix parce que c'est de la carte rare de rupture, donc c'est du récent. Le petit évoli du promo de noir et blanc. Ouais, elle est belle. Il est très 60s. Ouais, un petit peu comme toi. Oh yeah. Oui. Oh yeah. Encore une river, toute simple. Le deck Nymphalie. Un ferisson tout récent. Pourquoi je l'ai pris? Je ne sais pas. Parce que je suis sûr de ne pas l'avoir. Voilà. C'est du impact des destins. Réfléchis un peu. Ouais. Nymphalie promo de XY. Qui est très joli aussi. J'aime beaucoup le style. D'une petite reverse Creek Note. Armulis en reverse. Ludicolo, je l'ai pris parce que c'est une rare et c'est du noir et blanc assez vieux. Elle n'est pas en super état, mais voilà. Farfuré en reverse. On continue avec une énergie haut de je sais plus quelle série, mais une série ancienne. Spoink du deck Truc Dragon. Spoink. Spoink. Skitty, encore une ancienne, c'est vraiment cool. Passe rouge, deck Nymphalie. Soporifique de rupture. De la reverse. De la reverse. C'est parce qu'il connaît pas les noms, il est un peu. Ouais, je sais pas lire. Une rare. J'ai Megavolt. Pas appris à l'école. Non, jamais appris. Une reverse encore Baggy One. Sa pro d'index, c'est pour ça que j'ai pris aussi. Brutal Libré en holo. Une rare holo, plutôt cool. Il se souvient même plus. Oh, j'ai ça. Ah, j'ai acheté une rare holo. Non, mais c'est Point Furieux, c'est cool, c'est chouette. Et là, le petit truc sympa. Une Scarino en reverse de. Ça sonnait, hein. Oui, c'est ton portable. Ah, c'est mon portable. De Île des Dragons. Ah, coupez bien vos portables. Non, j'ai même pas dit aujourd'hui. Si. Non, pas aujourd'hui. Non. Allez, mais arrête de mentir aussi, sinon les gens y croient pas. Menteur, et du coup, là, bah voilà, c'est cool, c'est une île des dragons reverse, je suis super content. C'est vraiment chouette. Voilà. Avec les bords dorés. Les bords dorés. Ça fait plaisir. Zizir. On est d'accord. Ça fait chier, toi. Qui t'a dit chier? C'est moi. C'est toi. Ah, c'est ça, c'est dingue. Cherche. Nikos, va chercher. Donc, t'en as déjà deux sur toi que t'as chopé? Ouais, alors deux de l'armée de l'air. L'armée de l'air, oui, parce que monsieur aime l'armée.
Et il adore l'air. Donc, Armand Ned, non, c'est parce que je suis mécanicien aéronautique maintenant depuis de nombreuses années. Depuis à peu près 2 semaines. Et du coup, là, tu commences à kiffer les avions. Ouais, voilà, Pôle emploi me paye. Il kiffe les avions parce qu'on le paye. C'est ça. Sinon, c'est toujours ça avec Alès. Il kiffe un truc quand on le paye. C'est ça. C'est dingue. J'adore faire des vidéos sur YouTube. Parce qu'on paye. Du coup, tes pins, tu les as achetés combien ? 50 centimes, 50 centimes. Alors, 50 centimes pour celui-là aussi, je vais vous montrer. Tu l'as pris pour moi. Ouais, parce que tu le trouvais joli. Ouais, parce qu'il est vraiment joli. C'est une croix rouge. Donc, avec marqué SOS. Avec marqué SOS, donc ça ressemble à un truc de la croix rouge. Un petit Homer Simpson. Et un petit truc parce que je suis dans une asso de cinéma et tout, et que j'adore le cinéma. Du coup, une petite bobine de cinéma de 35 mm. Ceux-là, ils étaient à 10 centimes. Le logo Essence, c'est encore un truc d'avion, c'est ça ? Ouais. Festival des cartoons, donc c'est un truc Looney Tunes. Ouais. Bah c'est le logo de Looney Tunes à la fin là, dans les Looney Tunes où ils sont tous là. And that's all, folks. Echo, alors c'est quoi ça Echo ? C'est encore un truc de l'armée de l'air ? Non. Sûrement. Des avions ? Non, c'est Echo Plus. Ça doit être. C'est Echo Plus. Non, mais c'est vrai. C'est Echo Plus, économique. Non, c'est écologique ou économique ? Echo, Charlie, Delta, Tango. Voilà. Et là, une tête de cerf parce que c'est mon animal préféré. Ah ouais, t'as un cerf de compagnie ? Ouais. Ah, et ça s'appelle comment ? Cerf. Original, original. Donc, on a trouvé des jeux de PS2. Final Fantasy 12 en platinium. Je l'ai pris quand même, malgré qu'il soit en platinium, parce que je l'ai payé 2€. Et c'est le meilleur pour moi. Le meilleur des c'est FF. Cool. Bah, okay. Enfin, un des meilleurs. Voilà, et bon, platinium, ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave, il est complet au moins, et il n'est pas rayé, donc je me suis dit, je le prends quand même. Bah les couilles, frère. GTA Grand Theft Auto San Andreas, un gros classique. Non plate. Non plate, ouais. Plutôt dur à trouver maintenant. Exactement, complet d'ailleurs, aussi, avec le guide et la carte, donc il quand j'ai vu bien, ça, ce jeu. Il est vachement bien. Je l'avais eu avec j'ai bandé. Bandé. Metal Gear Solid 2, MGS 2, Dragon Ball Z, Infinite World. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Infinite Dragon World. Ball, donc ça c'est cool, c'est un jeu de combat Dragon Ball Z. Et malheureusement, il a pas le... c'est le seul qui n'est pas complet, mais je l'ai pris parce que. Ouais, il n'est pas facile à trouver celui-là. La plupart du temps, c'est les Budokai. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le Grand Theft Auto, le GTA, le Metal Gear, le Dragon Ball et les deux qui suivent, ça c'est 1€. 1€ pièce. Ouais. Et en plus, j'ai négocié, il y en a un de gratuit. Scarface, The World is Yours. Pareil, en complet, avec même la carte mémoire. Et Monster Lab. Alors en ça, complet. Je connais pas par contre. Bah, moi non plus, j'avais déjà vu vite fait, c'est un truc où tu gères des monstres. Tu gères des monstres, tu crées des monstres et tu les mets dans un truc. C'est marrant. Le titre du jeu, non voilà. Laboratoire de monstres. 1€ pièce pour tout cela et 2€ pour cela. Pas cher, pas cher, mon frère. Pas cher. J'ai trouvé un titi. Un titi. À 2€, mais c'était sur le stand où on a pris des pins, du coup, elle me l'a fait à 1,50. Ce qui est cool. Il est plus gros que toi ? Oui. Ah non, c'est grave. J'ai acheté un petit jeu de PS4 pour 15€. Ma foi, donc c'est pas cher, c'est Just Cause 3. On l'a essayé tout à l'heure, on a bien rigolé. Ah, ouais, tu m'étonnes, c'est des barres de rire ça. Des grosses barres de rire, donc voilà, hein, je suis content. Des barres de rire, mon frère. Il est complet, pareil, enfin, complet, on peut pas appeler ça des notices maintenant. Hein, mais... Ah, c'est chiant ça, ça commence à être casse-couille. Hein. Ouais, une notice. Vraie notice bah, c'est... La notice, ça fait genre une page recto verso et après c'est plein de pubs. Ouais, mais c'est voilà. Chiant, et puis même PlayStation, ils sont en train de merder avec ça. La PS Vita, c'est pareil, moi j'adore les jeux de PS Vita, j'adore cette console, il y a même plus du tout de notices quoi. Ils veulent faire du démat quoi. Ouais, du démat. Sur n'importe quel support maintenant ils veulent faire que du démat quasiment. Mais il y a que Nintendo qui continue. Nintendo ils continuent à mettre des bons dieux de notices quoi. Ouais. 3DS, on verra avec non, le non ça leur vient à moins cher de production du coup le démat ouais. Donc c'est pour ça mais bon. Je préfère avoir un truc physique comme ça. Ouais. Tu sens bien entre les mains. Et pourquoi je la sentais venir à cette vanne ? Qu'est-ce que tu sentais venir, Alès ? Ça va aller, Alès. Toi, ne touche pas. Ouais. Sur un stand, on a trouvé Fluide Glacial. Oui. 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 C'est un faux truc de cul, en fait. Voilà. J'adore quand c'est... Avec un gros X. Dessus. J'étais abonné moi. Ah t'étais abonné, c'est cool. Et là c'est un spécial Star Wars, c'est celui-là qui m'a fait de l'œil dès le début. Ouais, j'ai trouvé ça cool. J'ai vu, il était franchement. Sur le dessus, en plus, je l'avais vu. Ouais, il y avait un jeu de société Star Wars à côté. Un jeu interactif. Oui, avec une cassette. C'est trop classe. Ouais. En vrai, un jeu avec une cassette, tu mets ta cassette. Mais il faut encore voir la cassette. J'avoue, c'est pas faux ça.
Mais la PS4, elle fait ça maintenant. La PS4, elle a quand même une grosse fente énorme. Et la Xbox aussi, hein, les deux ont une gueule de magnétoscope, tu vois. Bah, pire la Xbox, quand même. Ouais, pire la Xbox. C'est un. On peut dire que la PS4, c'est une hotte de cuisine. Eh, c'est ça, c'est un peu une hotte. Ça veut ça en plus, une hotte. Qu'est-ce que tu veux montrer, Polonais? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Sander? Ça, c'est moi qui ai trouvé tout. Qui ai tout trouvé, on dit. Il a repéré, mais c'est moi qui les ai pris, ok. On voulait que je te les vole. T'aurais pu me les offrir. Mais comme t'es juif. J'ai pas d'argent. Un Batman comme ça qu'on avait déjà trouvé. C'était avec Lise Evrel, c'était le grenier de. Qui a bien longtemps. Donc le Joker, je ne sais pas si on l'a. Si Lise Evrel avait trouvé le même. Je n'en ai trop. Pas celui-là, ça me dit rien. Batman sur sa moto, c'est un jeu McDonald's de 2014. Ah ouais, 2014. D'accord, en fait, c'est ta gueule, un je truc, parle. Regarde, j'ai trouvé comment il fonctionne. C'est ça, c'est de la merde. Et j'avais déjà la Batmobile et le Batman ouais, qui est avec. Carrément. Qui sont derrière. Ouais, ils sont derrière. Donc j'ai reconnu parce que c'était les mêmes couleurs. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Oot, Oot, c'est un Pokémon. Oot. Le Pokémon de type hibou. Pokémon de type hibou. Putain, j'en avais plein ça. Hein. J'avais Roudoudou. C'est trop bien ça, les toupies. Ouais, elles commencent à être vachement rares. Et là, elle est en plutôt bon état, franchement. Ouais, elle est bien. Elle est belle. Donc, tu l'avais pas? Non, c'est une McDonald's de quelle année? De 2001. On va montrer. Ma bite. Rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers. On marche avec ma bite. On se sent avec un regard et on joue avec ma bite. Moi, je parle avec ma bite. Ma bite. Du coup, j'ai négocié. Ah, en fait, t'as plus sur la tête. Oh la vache! Non mais c'est McDo, tu sais, ça marche pas. Hey. Oh, oh! Joli, en plus il fait pas de bruit et tout. Mais oui! Donc tu sais, 1€ les deux figurines. Donc 1€ les deux, et ça je ne me rappelle pas. Oh, t'as dû payer ça. Ça. C'était... Non, ça c'était avec les cartes. Ah oui, mais c'était 1€ unité. 1€ unité, ouais. Du coup, cette Peugeot Optique qui est annoncée à 5 à la base et qui est vraiment très jolie, elle est toute dufteuse. Elle est trop mignonne. Je sais pas ce que vous trouvez à Hello Kitty. J'adore Hello Kitty, c'est comme ça, hein? Merde. 2€ ça, 2€. Ouais, et tu l'as négocié à combien? 1,50. Ouais, c'est bien, c'est cool. Et j'en avais pas en rouge. J'ai acheté un petit briquet très joli. C'est ça joli. Qui fait de la fumée depuis tout à l'heure. Voilà. Très sympa. Bon, il y a plus de gaz, donc je devrais mettre du gaz. Il y a encore la pierre là. Hop, ça fait de la fumée. J'ai payé 3€. Oui. C'est ça? Ouais, 3€ et je le trouvais sympa donc je l'ai pris. La seule officielle qu'on a trouvée. Elle est vachement belle. Ouais, elle est un beau très poilue. Ça va encore traîner, ça va percer les poils dans mon pieu, ça, putain. Voilà, il y a encore des poils. Il dort dehors, il dort dehors. Il est trop beau. Ouais, il est beau. Et on a trouvé Oggy. Il en veut plus, hop là. 50 centimes. Ouais, bah, ouais, c'était les deux. Mais oh, putain! Les deux. 1,50. 1,50 les deux. Vu que c'est une officielle, 1€, c'est pas cher. C'est ça. Oh, carrément pas cher. Carrément pas cher. Ouais, on pense. C'est Ulysse 31. Super dessin. Ulysse! Voilà. Je m'appelle Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Les musiques étaient magnifiques. Ouais, mais carrément, c'est carrément cool. Ils sont en très bon état. Bad de Michael Jackson. Michael Jackson. Michel Jackson. Il y a deux faces, et il y a une face où c'est Bad, et l'autre c'est I Can't Help It de l'album Off The Wall. 2€. Donc 2€ le Michael, c'est vraiment cool. Hein, parce que ouais, Michael, depuis qu'il est décédé, comme on dit dans le milieu, ça cote. Et il a pas changé de couleur depuis qu'il est décédé. Bah si, il est gris. Bah il était déjà gris de base. Je vais vous montrer moi la suite des jeux vidéo. Et il faut qu'ils se calment les enfants. Hein. Parce qu'on a acheté plein de jouets. Du coup, on a trouvé encore plein. Zoubida. La Zoubida, elle est désespérée. Mets ça sur le compte de la fatigue. Oh la vache, mais taisez-vous. Ou sur le compte de la féminité. On a trouvé plein de jeux vidéo encore, sur plein de types de consoles différents. Worms Open Warfare, complet. Warfare, ouais. Complet. Sur Nintendo DS. Tout à fait, négocié à 4. Ouais. Lost les disparus en complet. Donc je l'ai pris, même si je crois que le jeu est pas terrible, parce que je suis un gros fan de la série. Far Cry Instinct Evolution, donc ça c'est un jeu... C'est le premier ou quoi? C'est super compliqué Far Cry. Parce que il me semble Far Cry c'est le premier. Far Cry Instinct, c'est de la remasterisation du premier, avec des nouvelles maps et tout. C'est celui où tu transformes en monstre, là. Oui. Ouais, et Evolution, c'est la suite du premier remaster. Sur Wii, tu l'as fait? Ouais. Sur Wii, il devait être moche.
Voilà. Toi, tu m'as dit de prendre celui-là, absolument. Et je suis d'accord, c'est un classique, Crash Bandicoot, ouais, le premier. Après, c'est une version plate, mais une version plate complète. Les deux jeux de Xbox, c'était 1 euro pièce. Ouais. Le Crash, 1 euro pièce. Non, 4. 4, c'était 2 euros le jeu. Parce qu'au début, il a fait, ouais, si vous prenez le tout pour 10 euros. Le mec, il a fait, allez, 6. Et sa copine a fait, 4. Non, non, 3. Il a dit 4, elle a dit... Non, il a dit 5. A few moments later. Ah, elle a dit 4. Ouais. Oh, c'est le bordel. Oh, le bordel. 4 euros, c'est ça. Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. Ça, c'est vraiment cool. Et lui, il est complet. Ouais. Ça fait carrément plaisir, parce que les jeux Walt Disney, ça c'est fait... Cool. Zizir. Disaster Day of Crisis. Qui est dur à trouver. Qui est super dur à trouver, ouais. Et un jeu de Wii, c'est un jeu d'action, horreur, de survie. Il est vraiment, vraiment chouette ce jeu. Et en complet. Ça pour moi, c'est le gros coup de fusil. Après, bon, il y a plein de coups de fusil, il y a plein de trucs cool. Un jeu de PS4, c'est pas cher. Le jeu de Wii, c'est pas cher. On a fait 4 fois le tour avant de trouver. C'est ça. Et en fait, moi, je vais pour acheter Worms. Et pour les négocier. Et puis là, quand je l'attends pour la dame, parce qu'elle parlait à un autre mec, je vois ce truc là. C'est des Hasbro officiels. Alors de 80. 99. Ouais. Smogo. Je suis trop content. Elles sont vraiment belles. Elles sont super bêta pour l'époque. Je suis très content. On continue avec un petit Carapuce. Ça, c'est vraiment cool. Un starter. Ça fait Carapuce, ouais. Ça fait vraiment plaisir un starter comme ça. C'est vraiment chouette. Et elles sont super belles. Elles sont belles, hein, sans déconner. Elles sont très bien faites. Des belles officielles. Pour l'époque, par rapport au Salamèche là, que tu avais acheté. Ouais, qui est encore plus vieux. En fait, les premières qu'ils ont fait étaient vraiment moches. Et là, c'est vraiment des belles éditions. En plus, elles ont toutes leurs tags encore. Ouais, carrément. Ouais. Je suis trop content. Elles ont été très bien. Et ça, un gros coucou à Eisner, c'est le Ectoplasma. Voilà. Ouais. Et ça, je suis très content aussi parce que j'adore ce Pokémon. Il est trop beau. Il est fat. C'est tout pour ce grenier, mais c'est déjà bien, on dirait. On cherchait absolument, nous deux en tout cas, on cherchait une 3DS absolument. Ouais. Donc si vous avez une 3DS à offrir, ou à vendre, à pas cher, mais alors 1€. Salut. À bientôt. On vous baise. Oh. Mais arrêtez de dire des vulgarités, pourquoi sommes-nous dans un monde de vulgarité? Je ne sais pas. Paix et amour sur le monde. Amour et la beauté. Absolument. À base de plantes. Bisous. Et de blagues d'escargot. Mmh.